7 degrés, de la pluie, le temps idéal pour une joute nautique. De toute façon, c'est dans l'eau que ça se termine. L'ambiance est bonne enfant et réchauffe les plus frileux. Même Alexis, bon perdant, garde le sourire. Alors, heureux ? Il fait froid, mais heureux, ouais. Les Nautic Games, c'est un tournoi sportif étudiant un peu loufoque. Au programme, la joute, donc, mais aussi des courses de relais kayak ou encore des batailles sur paddle. Le but, en fait, c'est que voilà, on se porte volontaire entre équipes et puis sur plusieurs activités, on s'affronte. Et puis, bah, voilà, c'est toujours sympa de faire des activités comme ça sur La Rochelle. Pour cette 7e édition, Excelia, l'école de commerce de La Rochelle, avait invité les étudiants infirmiers et ingénieurs à boire la tasse. Ce rassemblement sportif et festif a quelque peu été plombé par le mauvais temps. On voulait faire un gros retour, on travaille depuis juin 2018, avec une équipe composée de 20 personnes pour organiser cet événement. Et c'est vrai que la pluie, on ne peut pas la prévoir, du coup on s'adapte, mais l'événement reste moins fun que s'il y avait du soleil. D'autres animations étaient prévues toute la journée, notamment une tombola, dont une partie de l'argent récolté ira à l'association ERA, qui vient en aide aux sans-abri.